faisait à peu près, disons, 10 millions de chiffre d'affaires, 10 millions d'euros. On a fait l'acquisition d'Europol, qui était un autre centre de 500 personnes, 9 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et en 2010, on est devenu donc le premier acteur marocain, pure player marocain, dans un secteur où il y avait tous les acteurs internationaux qui commençaient à s'installer ici. Donc, on a continué, on s'est dit, en 2010, on a réussi cette intégration d'Eurocall, on a commencé encore à faire beaucoup de croissance en 2011, une croissance interne organique. Et à ce moment-là, on a vu qu'il y avait quelques menaces qui étaient liées à l'offshore. Donc il y avait des ministres français qui, à un moment donné, disaient on va réinternaliser certaines activités. On avait également certains clients qui nous demandaient d'avoir des activités en France et nous, on ne pouvait pas leur servir. Et on n'était pas très connu. Donc on a décidé d'aller en France. Donc on a fait ce chemin qui peut paraître risqué, mais qui était nécessaire pour nous pour pouvoir installer notre entreprise, notre marque dans ce secteur. Donc on est parti en 2011, fin 2011, début 2012. On a racheté Fall Marketing, qui était un acteur français, où il y avait 1000 personnes qui étaient sur 4 sites, qui faisaient 33 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a fait de sorte que, en mettant les deux entreprises, on est rentré dans les 10 premiers acteurs français, francophones. Donc, avec cette acquisition, tout de suite, on a eu, d'une part, de la visibilité en France, puisque les clients nous connaissaient, on avait la taille suffisamment importante pour adresser des gros marchés. Tout de suite, on a pu avoir des métiers complémentaires par rapport à notre partenaire français qu'on a racheté. Et en même temps, on a pu effectivement asseoir, disons, notre développement en étant une entreprise qui n'est plus une entreprise que sur l'offshore marocain ou au Maroc, mais une entreprise qui adresse le marché francophone avec un pied en France et un pied au Maroc. Donc ça, c'était très important pour nous. Ça, c'était 2012 et ça a correspondu également à l'ouverture de notre quatrième site qui est la tour que nous avons à Casanier Shore, qui est une tour de 11 000 m2 que vous avez vu dans le film. Donc ça, c'était la quatrième. Et enfin, 2012, donc on a, de 2012 jusqu'à 2014, on a travaillé, on a intégré les deux structures. Donc la difficulté, lorsque vous faites l'acquisition d'une entreprise en France qui est importante, puisqu'il y avait 1000 collaborateurs, c'était d'intégrer les deux structures ensemble et d'en faire qu'une seule. Donc ne pas avoir Intelsia France, Intelsia Maroc différent. Nous, ce que nous voulions, c'est avoir une entreprise qui avait les mêmes pratiques qu'on pouvait avoir à Casablanca, à Levallois, à Dreux, à Lyon et à Marseille. Et donc ces deux années nous ont permis aujourd'hui de faire tous ces efforts pour intégrer les deux structures. Et donc en 2014, on a effectivement, avec le développement que nous avons connu au Maroc, nous avons ouvert notre cinquième inauguration, qui est le site d'El Jadida, qui nous permet en fait d'un coup d'adresser un nouveau bassin d'emploi, qui nous permet de nous approcher de ressources de qualité, puisqu'aujourd'hui à El Jadida, dans notre secteur, il n'y a pas d'autres acteurs, et qui effectivement nous permet de continuer notre développement. Et quel médium de génération des échos, ouais. Donc j'aurais une question. À combien s'élève le budget investi pour l'ouverture du TC Jadida? Alors je crois qu'on a annoncé 10 millions de dirhams à peu près. Sans la formation. 10 millions de dirhams parce que essentiellement le gros problème qu'on a eu à Jadida, la difficulté aujourd'hui, c'est de trouver des locaux. D'abord, les locaux qu'on a trouvés, ce n'est pas des locaux qui étaient faits pour les centres d'appel. Donc il a fallu tout refaire. Donc, même quand vous voyez aujourd'hui les plafonds, ils sont un peu bas par rapport aux normes qu'on a dans les centres d'appel, mais on ne pouvait pas trouver. Donc c'est essentiellement de l'aménagement et voilà. Et par rapport au budget, 10 millions de dirhams étaient partagés par les actionnaires, c'est des gestions notamment et... Non, c'est en fonds propres. C'est-à-dire que c'est l'entreprise directement dans ces caisses. D'accord. Merci beaucoup. Abou Faris Abou Qassim, journal électronique Mazagan 24. Donc, êtes-vous ouvert à tous les chercheurs d'emploi? Ensuite, peut-on dire que le groupe Intelsia est devenu aujourd'hui un employeur de référence? Merci. Alors, un employeur de référence, c'est notre ambition. Donc, ça, c'est nos salariés qui devront le dire. Donc, c'est ce qu'on voudrait pour pouvoir attirer les meilleurs, pour pouvoir les garder, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, je vous avais donné un certain nombre d'initiatives qui sont faites dans ce sens-là, parce que je pense qu'aujourd'hui, dans notre secteur, si on veut réussir, on ne peut pas faire autrement. Il faut absolument être, impeccable à tous les niveaux, au niveau du recrutement, au niveau de la transparence, de la gestion des ressources humaines, et au niveau de leur développement et au niveau de l'animation des ressources humaines. Donc ça, c'est évident. Alors, la première question, c'était... Je suis désolé. Peut-on dire que le groupe Intelsia est devenu aujourd'hui un employeur de référence? Ensuite, êtes-vous ouvert à tous les chercheurs d'emploi? Alors, ici, là, on reçoit régulièrement des CV ici.
La seule chose, aujourd'hui, on a trois clients, comme je vous ai dit ici. Donc aujourd'hui, on recrute, et j'ai demandé à ce qu'on n'arrête pas le recrutement parce qu'il y a un petit turnover naturel qui se fait. Donc aujourd'hui, toutes les personnes à Jadida, donc on a, c'est pour ça d'ailleurs on fait de la pub dans les réseaux sociaux, on est très actif de ce côté-là. On est absolument ouvert, effectivement, et on recherche des gens qui sont un profil technique, on recherche des gens qui ont un profil commercial, donc pour faire de la vente. Et on recherche des gens qui maîtrisent de manière générale le français. Il faut absolument. Donc la porte d'entrée, c'est une bonne maîtrise parce que c'est pour les clients ici. On a des clients français qui sont là. Demain, si j'ai une partie d'inouï qu'on mettra ici, donc on ne sera pas exigible à ce niveau-là. Mais d'abord, c'est la maîtrise complète, parfaite de la langue française. Ensuite, ces jeunes qui restent cloués du matin au soir, est-ce qu'ils ne trouvent pas une certaine monotonie dans ce travail ? Il faut leur poser la question. Maintenant, non, c'est vrai, il faut leur poser la question. Je pense que c'est un métier qui est difficile. Alors, oui, je ne pas dire oui. Que c'est. Je pense que quelqu'un, je vais vous donner un exemple, quelqu'un qui est dans le secteur. C'est pour ça qu'à un moment donné, on pensait aller à Marrakech. Mais quelqu'un qui maîtrise parfaitement la langue voudra plus aller travailler dans le secteur du tourisme. C'est plus agréable, le contact est humain, ainsi de suite. Ici, ils ont d'autres avantages, des inconvénients, des avantages. Ils ont, comme je vous avais dit, ils apprennent un métier. Franchement, c'est très formateur pour la suite. Donc, et c'est très, très, très formaté, donc on investit beaucoup dans la formation. Maintenant, quand ils sont au téléphone, c'est des vraies problématiques. Quand vous êtes, par exemple, derrière SFR, il y a quelqu'un qui va l'appeler pour une problématique parfois qu'il n'a jamais vue. Donc, il va faire des recherches, il va le rappeler. Donc, c'est pas du rébarbatif. Donc, le métier peut paraître difficile, mais comme on arrive à garder des gens longtemps et on arrive à les développer, je pense qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de métiers qui sont plus difficiles que d'autres. Donc voilà, donc, si vous prenez les gens ici qui sont au niveau technique, support technique, ça va être moins pénible que quelqu'un qui va appeler sur Canapis où il va faire, il va appeler 10 fois la même personne où il ne va pas pouvoir faire sa vente. Merci. Donc, vous êtes chez vous, le temps de d'échanger avec tout le monde. L'ensemble de nos collaborateurs sont ici. Et j'ai pas, peut-être tout à l'heure, j'en ai pas parlé. Je voulais d'abord aussi remercier l'ensemble des forces vives d'Intelsia, les collaborateurs qui ont fait que cette entreprise est ce qu'elle est aujourd'hui. C'est des gens qui sont engagés et qu'on voit au quotidien. Et enfin, je voudrais aussi remercier mon cher ami Youssef, qui est là, qui est mon binôme parfait pour me supporter et pour faire le travail qu'il fait au quotidien. Voilà. Ah, mais ça.
Barcelone. Tiens. Ouais. Pas de l'eau.